Garfield on Red Alert. Bad girl. Oh oh. Yeah. Tell them. Real up, we are the gun for Kiki. They're not hot like we. Like we. They're not hot like we. Like we. They're not hot like we. Like we. They're not hot. 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 Like we. We're making our we die band. Cause girl like we always ready for the man. So from the city good and ready for the action. Say yeah. De pouvoir structurer un petit peu ces compétitions, pouvoir s'entraider et pouvoir s'entraîner ensemble afin de pouvoir amener des résultats vraiment, vraiment bien. Donc là, c'est la première. On a quand même réussi à faire quelques coups d'éclat, on dira, parce que je finis troisième à la deuxième manche. Et essayer de continuer afin d'être vraiment sur le top 3 tout le temps. Aujourd'hui, je suis un président satisfait puisqu'à la première manche du championnat, plus particulièrement appelé Challenge d'attitude, on arrive à se classer parmi les meilleurs mondiaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous avons concouru aujourd'hui avec les plus grands comme Cyril Lemoine, Teddy Ponce, Jean-Christophe Payas. Ce sont des gens qui, au monde, en matière de jet, sont les meilleurs. Dimanche 13 mars, c'est le retour du challenge Jet Attitude Pepsi avec énergie sur le magnifique plan d'eau de la ville du Vauclin. Accelor, Concordiette, du team Red Racing Performance, valeur sûre du jet martiniquais et le nouveau venu dans la hiérarchie, Franck Franchinard, du team Poséidon, se disputeront la suprématie locale sur l'un des plans d'eau les plus techniques de l'île. Le vétéran Duchamp, la star Prayas, les nombreux nouveaux venus après la première manche, eux aussi veulent la victoire. Alors soyez présents pour la dernière répétition avant le prochain championnat du monde d'avril prochain. Trois manches au programme. Premier départ, 11h, sur la plage du Bourg, avec Pepsi, Longhorn Energy Drink, la région Martinique, la ville du Vauclin, Turquoise Yachting et Énergie.